Hello les petits abonnés! Alors on va reprendre RE4 Remake. J'en étais donc là, arrivé au château. Je suis allé revendre, revendre l'œil du Mendez, hein, du coup, puisqu'on peut pas l'utiliser pour ouvrir une porte comme dans l'original. Alors c'est avis perso, hein, mais je suis pas pour ça. Je suis pas tellement pour ça. C'est tout ce qu'on sait de ce personnage-là, en tout et pour tout, quoi. Limite, c'est le chef du village, et voilà, quoi. Il a un œil qui permet d'ouvrir une porte. C'est le seul moyen de sortir du village pour aller au château. Ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé ça. En plus, le boss, il est trop facile. On est en normal. Vous avez eu le temps que j'ai mis très peu de temps. Il devrait durer plus longtemps que ça. Puis être plus balèze. Là, il fait deux attaques qui sont scriptées, là. Enfin, je veux dire, trop facile, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et à côté de ça, on arrive au château. Il nous balance. Il nous montre un mec qui est en train de disséquer ou charcuter ou sacrifier quelque chose, je sais pas, on l'entendait quoi. Vous me corrigez si je me trompe. Mais on entendait des bruits comme s'il plantait quelque chose quoi. Et le mec est tout seul, on est dans une. Enfin, c'est une secte normalement. Il devrait être en groupe pour faire ça quoi, pour faire des trucs comme ça. Que ce soit dans RE4 ou pas. Une secte, ils sont toujours à plusieurs pour faire des machins comme ça. Mais c'est genre Capcom qui a voulu nous montrer, ouais vous avez vu, on vous a fait quand même, on vous a fait aussi les skins de ces bonhommes là, avec les têtes qui éclatent, qui se transforment en insectes, et regardez, on va vous faire super résistant et tout. Et ces premiers ennemis qu'on croise dans le château, c'est Mongol quoi, enfin je sais pas, là. Pas compris quoi. Alors est-ce que c'est vraiment à partir de ce moment que ça va commencer à partir en marmelade? J'en sais rien du tout. Mais bon, il y a des trucs qui ont du mal à passer là quand même. Bon. Oh, c'est pas des médaillons bleus ça par exemple? Oh putain, et puis Ashley qui se fout comme ça devant moi alors que je vise. Regardez ça! Mais c'est pareil, dans RE original, elle nous a jamais fait chier comme ça quand on était en train de viser. Elle se cachait derrière Léon. Elle se cachait derrière le dos de Léon. Regardez ça, putain! J'aimerais bien tirer dessus. Regardez, regardez ça. L'autre, elle arrête pas de bouger. Bon, je vais tirer, attention. Ah, il y en a 6. Bah oui, bah c'est pas grâce à toi, putain, mais mort de rire. Ça commence bien. Il y en a un autre là-bas. Deux. Et là, tu dis rien. Ok, donc il y en a 6 à dégommer. Bon, on va y aller plus doucement. Ah, la vache. Ok, allez, on continue. Voilà, vous pouvez enclencher votre OST. On est parti. Eh, merde. J'ai été touché malgré tout. Est-ce que j'étais touché? Parce que j'ai foutu mon coup de pied. Normalement, il y a un très court laps de temps où il est invincible, Léon, quand il fait ça. Je me demande si j'étais touché là. Eh putain, mais. Oui, ça bioule, ça bioule. Bon, ici, il y avait rien, hein, je crois. Tiens, bâtard. C'est tout? Non, c'est bon. Il y en a un autre là qui arrive, non? Ah, il doit pop. Il doit pop. Il n'y en a pas d'autres là, non?
Alors, il faut y aller doucement, hein, on a dit. Bon, ça a l'air de venir de là-bas. Bon, j'ai du pompe là. Hein. Enfin, quoique. Peut-être éviter de faire des conneries. Il est pas mort. Putain, 3 balles. Ouah. Ok, alors ici. Ouais, là-bas on reconnaît bien aussi. Oh la vache, j'étais touché, la vache! C'est quoi ces tonneaux rouges là-bas? D'accord. Bon. Est-ce que ça leur a fait du mal ou quoi? Wouah! J'ai cru que j'avais claqué là. Bon, allez. Oh, il a dit que c'était son dernier. Putain, c'est fermé, mais j'hallucine. Et là, je peux pas passer. Bon, on va attendre qu'ils en retirent une. Et on y va. Oh putain, c'est fermé. Ah non. Je sais plus s'il n'y avait pas du peuple. Là, il y avait une manivelle hein, à utiliser dans l'original, je me rappelle. Alors, où sont-ils? Ils ont l'air de tirer de là-bas, non? Ils sont où, ces bâtards? Ah d'accord, ça a l'air d'être là. Ah putain. J'arrive pas à la voir. Putain de merde. C'est pas possible. Alors là, on n'a plus de manivelle. On peut pas sauter non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, petit médaillon là. One more time. Putain, est-ce que je vais l'avoir? Ouais. Good. Ah, je peux descendre ici. Allons-y. Ouais, c'est pour faire péter l'entrée de... Enfin, une autre entrée du château. Alors, attends. Parce qu'il y a encore quelque chose là-bas. Avec du scotch jaune. Ils aiment bien le jaune, hein. Non. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? C'est quoi ça? C'est rien. Ils ont foutu du jaune sur l'échelle aussi. Ça fait peut-être un peu beaucoup quand même, non? Voilà, ça tire encore. Wow! Compliqué de les voir. Elle s'est fait avoir. Allez, putain, vas-y. Allez, pêche-toi. Pêche-toi, on va te faire buter. Ouais, yes. J'y pensais.
Il en reste un, logiquement. Vache, on va se le prendre en pleine gueule là, hein, faut faire gaffe. Wouah! Putain, mais je me cours dessus, putain de merde! Ils sont où ces enfoirés? Ils sont là-bas. Merde, bah oui, c'est vrai. Alors, c'est cette porte-là qu'on doit dégommer avec le canon. Donc, on va continuer. Essayons de pas se faire avoir. Pas un tonneau là-bas encore. Non. Tirer R2. Tiens. Ça, c'est une façon de toquer à la porte. Ok, ok. Allez, on y retourne. Ah, on peut le... Ouah ! Oh putain ! Est-ce que j'ai encore de la bouffe ? Une herbe. Vaut mieux la bouffer, hein. Vaut mieux la bouffer. On va pouvoir refaire... attends... Ah, on a plus tellement de balles de... TMP, la vache. Fabriquer... Donc, si, bah vas-y, on va faire du pompe. On va faire du pompe un petit peu. Bon voilà, allez, on court, on y va. J'ai pas réussi à les avoir, ces chacals là-bas. On a une mission annexe là, on dirait. Fait chier, j'ai loupé un médaillon bleu. Hein. Je crois bien. Alors vas-y, c'est quoi ça? On va accrocher des médaillons bleus. Bon bah, c'est le même truc. Ouais, il en reste un. Y a plus d'OST là d'un seul coup. D'accord, là ils remettent l'OST. Parce qu'on a encore un guignol au-dessus. Oh, ça fait chier. J'ai dû le laisser quelque part, mais. Je vois pas où. Bon, là, il continue de nous tirer dessus. Ah, il est là-bas, hein. On voit que dalle, on voit que dalle.
Bon, fait chier, hein. Je sais pas où je l'ai collé ce machin, où il est foutu. On va peut-être entrer quand même, hein. Parce que là, j'ai aucune idée d'où il est. Puis avec l'autre con, là, il va me niquer mon énergie, c'est tout ce qui va se passer, quoi. Bon, ouais. On va voir si je peux revenir en arrière. Bon, ok. Alors, on ouvre là à l'intérieur du château et putain, qu'est-ce que c'est sombre. Qu'est-ce que c'est sombre. Y'a plus rien du tout, y'a plus un bruit, quoi. Les ambiances, elles sont un peu limites, hein, quand même. Les changements d'ambiance comme ça, attends, la porte elle est grande ouverte, quoi. C'est vieux, mais putain, mais qu'est-ce que c'est sombre. Bon, toi, ferme ta gueule. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ouais, j'ai chopé... Bon, je ferai ça plus tard. On va enregistrer, parce que j'ai déjà perdu un peu de temps à tourner, là. Je voudrais voir, déjà, si on peut revenir en arrière. Avant toute chose. Ouais, c'est bon. Bon, alors je vais écraser la sauvegarde. Voilà. Boum. Ok. Et maintenant, on va regarder vite fait pour revendre cette connerie là quand même. Alors on va en mettre un là. Oh putain, il faut en mettre trois. Faut en mettre 3 ou faut en mettre 2? Il est bon là? Ah non, non, c'est bon, c'est bon. On peut en mettre 2. Alors vas-y. Touch, 17 000 balles. Ok. Alors en vendant l'œil, j'avais augmenté la puissance donc de ça. Ça s'appelle quoi? Du lance-carreau. Voilà, donc là je suis à Donf. Et capacité, ouais, bon, de toute façon, ils offrent pas les cartouches, donc dix mille balles. 40. 15 000. Je regarde vite fait, hein, les petits abonnés. Rechargement, capacité. Je refoute un coup de capacité, hein, pourquoi pas. Et on tardera pas à le tester, ce truc. Cadence de tir. Ouais, bon, allez, hop, on y va comme ça. Qu'est-ce qu'il a d'autre à vendre, là, quand même? Acheter. Qu'est-ce que c'est? Il y a un Broken Butterfly. Ah, le v'là, le... C'est le sniper qui arrache, ça, je crois, non? Il me semble, Stingray. C'est le nom d'une corvette. Et un lance-roquette à 80 000 balles. Bon, vas-y. On va garder notre pognon. Pour l'instant. Poudre noire. Qu'est-ce que c'est sombre, putain. Mais qu'est-ce que c'est sombre. De toute façon, dès que la nuit commence à tomber, le jeu devient méga sombre. Vous regardez sur YouTube, quoi. S'il n'y a pas la lumière du téléphone qui est foutue à fond avec la vidéo en plein écran, si on voit rien, quoi. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Tous les jeux, ils font ça dans tous les jeux, quoi. Dans les séries, dans tous les trucs, il faut que ce soit noir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. C'est complètement nul, quoi. Complètement con. Alors, le sifflard, Maminova, lave-la. Alors, la voix, ça va être compliqué. Oh la tête qu'il a, putain. Oh. Putain, mais c'est clair, on croit à une vieille, quoi. Complètement foiré, quoi. Oh
Puis elle sourit, elle est contente, c'est... C'est débile, ça. Ils auraient dû la faire plus flipper, quoi. C'était à Léon de dire ça. Hein. Il se foutait plus de sa gueule, Léon, à Salazar. Ah, les v'là avec leurs boucliers, les mecs. Ok, alors, bon bah écoutez les gars. Allons-y comme ça, quoi. Bonjour. Ah, son bouclier a bien fonctionné. Oh putain, ceux de puce. Ok. Ok les mecs. Pêche-toi, chlouze. Ça va se passer. Qu'est-ce qu'il bave l'autre? Qu'est-ce qu'il bave? On comprend rien, dégage! Une jolie armure. Avec une texture. Peut-être une texture qui déconne, hein, peut-être hein, quand même. Dommage. Regardez ça, regardez ça. Ok, allez, on va se faire les vases. On va tout péter, les chandeliers et tout. Là, comment il arrive, Léon, à chaque fois. Un petit côté bourrin, Léon, quand même. Ok, une clef qu'il faut que je chope ici. Ça, c'est quoi, là-bas? Encore une petite énigme. Bien sympatoche. J'ai jamais trouvé l'autre médaillon bleu, mais ça doit être en extérieur, hein, je crois. Hein. Je ferai un tour un peu plus tard. On doit pouvoir toujours sortir, normalement. Là-bas, c'est quoi? Bon, c'est pareil, à un moment... dans le 4 original, on voit Léon qui est en hauteur... Et en contrebas, il y a des sectaires, ils sont en groupe avec un leader, ils sont en train d'invoquer le Père Sadler ou en train de prier ou je sais pas ce qu'ils font comme délire. Mais ils sont ensemble et il y a une OST même derrière. L'ambiance, elle est excellente dans ce passage. Excellente. Est-ce qu'ils vont l'avoir viré aussi? Ou est-ce qu'ils vont avoir changé ça pour que ça dénature le truc et puis qu'on ressente pas la même chose, quoi. Bon, ok, là, il y a un coffre. Alors, est-ce que tout est inscrit sur la cardasse? Oui, il y a tout. Ça, c'est quoi, ça? Trou dans le mur. Il y a un trou dans le mur. Bon, j'allais voir. C'est sous l'escalier, peut-être? Attends. Non, non, non. C'est derrière, là. Ah, oui, là. D'accord, je le vois. Je le vois, mais il n'y a pas moyen... courte échelle, là, bah oui. Allez, vas-y. Okay. Allez, monte. Pêche-toi. Eh oui, parce que c'est à moi de chercher, pas toi. C'est à moi de fouiller. Alors, tu viens m'ouvrir. Mais check. Sans déconner. Coude dans le vase. Les conneries. Coude dans le vase, quoi. Et là aussi il le fait. Non, là c'est coup de flingue. Ça aussi je vais pouvoir aller le revendre.
Oula. Ouais, ça a tiré peut-être de l'autre côté, ça. Là, il y a quoi? Oh putain, automatiquement, il se jette dedans. Hein. Chercher un chemin. Ouais, bah, c'est la suite du truc. Ouais, bah, non, bah, attends, hein, j'ai pas fini de fouiller, moi. Oh là 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 là, pousse-toi! Hachelouse, il faut repartir, là. On n'a pas fini encore. Parce que, en fait, ça devait aller là, ouais, ça doit atteindre le coffre, hein, je pense. Allez, ça c'est quoi? Pas quelque chose ça? Non, non, c'est une décoration. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Flacon de parfum. Chic. Parfum chic. Ok. Ouais, je revendrai les trucs par la suite. Merde. J'espère qu'on a bien tout regardé, bien tout fouillé. Et y aurait pas moyen. Attends, j'arrête pas de faire des allers-retours. Non, passe pas, putain! Je suis obligé d'attendre qu'elle passe. Oh, le bordel, toi. Y a pas moyen là-bas, une petite courte échelle ou quelque chose, non? J'aurais dû mieux regarder. Non, non, c'est pas. Là, y a pas moyen. Là, y a pas moyen. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ouais, parce que là-bas, on n'y est pas allé non plus. Fermé. Ok, bon, maintenant c'est bon. Bon. On va se bouffer peut-être un mélange là hein, quand même. Allez, boum. On est perfect. Et aussi, on va se faire des munitions de TMP. Je peux m'en refaire encore. Ah bah oui, c'est 6, tout juste. Vas-y. Allez. Ça fait plaisir. On a 3 knives. On a 3 fucking knives. On a 2 grenades aveuglantes. Et voilà. Et bon, ça c'est pareil. Il faudra peut-être que je l'utilise un de ces 4. Mais... Toc. Et faut appuyer sur. Sur. L3. Explosifs pouvant être attachés à des carreaux avec L3. Au moment de viser. Et j'en ai 5. D'accord. Bon, on verra ça. Ouais, j'irai le rechercher le fucking médaillon là que j'ai loupé. Mais je le ferai en off parce que. Je peux pas perdre trop de temps. Merde, je peux pas passer là. Non, mais tu rigoles. Mais qu'est-ce que. Je peux pas passer là. Non, mais. Bon, voilà. C'est que ces conneries là. Les babales, pourquoi pas? Allez, on continue. Merde. On entend un petit son, de la musique ou des chants. Bon, là, on a une salle de torture. La sempiternelle salle de torture. On a entendu un bruit. Autosave. C'est des ganados ou quoi c'est qui ça? C'est des mecs, des touristes, c'est quoi ça? Le pauvre bastard. Il a dit pauvre bâtard, c'est ça qu'il a dit. Je suis pas sûr.
Alors là, on a quoi? J'ai de nouveau été réveillé. Note du gardien. Au beau milieu de la nuit, par ces bruits effroyables provenant du sous-sol. Les bruits des griffes. Ah, il parle du Garador. Servait autrefois le seigneur du château en tant que bourreau. Tout comme son père et son grand-père avant lui. Là, il développe un petit peu son personnage, là. L'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar. Même au sein de sa famille, il était différent. Il aimait sincèrement son travail. Il le faisait bien. Il était doué pour torturer les autres. Son habileté ne tarda pas à attirer l'attention du maître. Et lorsqu'il l'emmena dans les cachots. Non, je ne peux écrire cela. C'est au-dessus de mes forces. Je refuse de me rappeler ce qui s'est passé là-bas. Il en va de ma santé mentale. J'ai reçu l'ordre de m'occuper de lui. Je dois le nourrir et nettoyer la crasse. Tout en écoutant cette voix sordide chaque nuit. Je n'en peux plus, j'en ai assez, je ne peux plus tolérer. Une bonne nuit de plus dans ce château, nanana, je partirai demain, aussi loin qu'il le faudra, pour ne plus entendre cette voix. Voilà. Ah, fait chier, hein! Je sais pas ce qui s'est passé là. Bon, j'espère que ça va pas foirer ma capture. Oh la vache. Bon, on entend du bruit. On a une herbe rouge là. On va déjà tomber sur le Garador. On va déjà tomber sur le Garador. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils le rushent leur jeu là. Ils commencent à le rush leur jeu. Ils veulent plus prendre leur temps. Ah oui, c'est le Garador ça. Bon, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Ah oui, il doit être par là. Bah la vache. On y sera arrivé vachement vite. Hein. On vient d'entrer dans le château, hein, les mecs. Bon, on va voir s'il est balèze. Alors, je me suis fait spoil. Je me suis fait spoil, j'ai vu son image sur YouTube. Merci hein, les gars, merci. Mais même sur Facebook hein, de toute manière. Mais il a l'air vachement plus balèze physiquement quoi. Il a l'air plus énorme quoi. Pourquoi pas? Bon, alors ça va enclencher quelque chose certainement là. Clé des gâchots. Encore quelque chose ou quoi? La lumière est perdue. Oh, oh putain, j'étais surpris là. Bien joué. Bon, voilà, on est déjà au Garador. Parce qu'on fait à sa gueule quoi, la bouche. Ouais, toutes les dents, il a plus de lèvres le mec. Il s'est abaissé. Mais il s'est abaissé tout seul mon gars ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Bon, il y a la piotte qui est au-dessus. Bon, faut que je mate vite fait le level design pour voir un peu hein, ce que je peux faire. Ça va faire du bruit peut-être. Ouais, ça y est, c'est détaché là, je crois. Oh! Wouah! Je suis total dans la merde.
Ouf. Oh, oh, je suis pas mort. Je suis pas mort, mort de rire. Il a entendu quelque chose. Bordel. Merde. Merde. Bon, grenade aveuglante, ça servira pas des masses. Putain, tu vas bien claquer, fils de pute. Oh! Eh merde! Ah bah là, il a complètement découpé la lionne. On n'a pas vu grand chose, mais voilà. Ok, bon bah je suis mort. Ah putain! Il me manque un petit spray là. Il me manque un petit spray. Pareil, j'ai l'impression qu'il était plus balèze dans RE4. Enfin, je sais pas. C'était plus compliqué. C'était plus compliqué de tourner autour et pourtant on était dans une plus grande salle, hein, il me semble. En plus. Bon, on fait chier. Faut que... Attends, j'ai plus que ça, quoi. J'ai plus qu'une herbe rouge. Faut que j'aille acheter un truc là. Hein. Bon, c'était pas rouge. Là. Oh putain de merde. Ouais, c'était par là. Attends, c'était par là ou par là? Ouais, par là. Bon. Ah oui, hein, on va aller choper un spray parce que j'y arriverai pas là. Enfin, j'y arriverai pas. Ouais, ta gueule, toi. File-moi ça. Bah. Ok, il est où là ton spray, putain de merde? Bah, y'a pas de spray. Mais j'hallucine où y'a pas de spray? Bah, ils ont pas de spray, c'est con. Il a pas de spray, cet abruti. Pourquoi il a pas de spray? Bon, il va falloir qu'on se le tape sans spray alors. Bon bah écoute, sans spray alors. C'est fermé ça. Ouais. Putain. Bon alors je suis perfect. Ouais. Ouais, là on a encore un truc. Voilà, c'est là. Ouais, de toute façon là il me reste plus qu'une balle dans le snipe. Hein. On va y aller aux pompes. Hein.
Ah ou alors j'essaye avec le... Ouais, je vais essayer avec le truc, tiens. Je vais essayer avec le lance-carreau, là. Hop. Bon, allez, hop. Alors, attends, hop. J'espère que ça va défoncer. Elle est en train de tout péter, l'autre. Là, il y a encore les balles. L3. D'accord, ça marche comme ça. Et si je désarme et que je réarme? Ouais, c'est encore là. Ok, bon, on a plus qu'à passer dans son dos. Merde. Eh ben. Putain. Tu vas crever, bâtard! Je l'ai eu. Ah, vous avez vu, eh. Franchement, lui aussi est plus facile que dans le premier. Hein. Et en plus, il apparaît très très vite, quoi, très rapidement. Et il m'a fait mourir quand même une fois, plus de fois que le Bitorez. Eh, vous avez vu, j'ai pas bougé à la fin. J'ai pas bougé alors que je lui tirais dessus du même endroit, il venait pas vers moi. What the fuck? Bon bah ça pète bien ces trucs là. Puis on a fait de la place. Bon alors du coup la piote, elle est où la piote là maintenant? On va continuer je crois. À moins que... On a peut-être loupé des trucs non? Tiens bah il y avait déjà des balles. Des balles. Des balles. Là-bas. On a pas pété un vase, il restait pas un vase quelque part. Hein. Poudre noire, qu'est-ce que j'ai en poudre noire? Une poudre noire, ouais bon. Toc, munition de flingue encore, il y en a beaucoup là. Non mais moi ça, il fait tout noir, on voit rien du tout. Il a l'air d'avoir rien du tout. Bon alors il était là l'autre.
Ouais, donc là on reconnaît absolument rien. C'est même pas vaguement, c'est même pas. Là c'est une nouvelle pièce, quoi. Des nouveaux agencements de pièces, de couloirs, de machin. Même l'entrée et tout, là. Je sais pas. Je crois que j'apprécie moins que le début. Hein. Même avec les boss, les ennemis qui nous présentent et tout. La façon de faire et tout. Ouais, bof bof là. Le premier marchand qu'on croise dans le château, dans l'espèce de structure là, c'est avant vraiment d'entrer dans le château. Ça, j'avais trouvé ça vachement classe. C'était bien foutu. Mais qu'est-ce qu'elle a tout ça? Ah oui, c'est son. Elle est en train de choper le playa. Enfin, ouais. Puis regardez-moi comme il fait noir, putain de merde. On voit rien! Putain! Bon, j'ai pas compris ce qu'il raconte là. Alors, on peut ouvrir cette porte là maintenant. Les escaliers sont vernis aussi. Ok. Bah, où est-ce qu'on est atterri encore? On entendait un petit cliquetis là, je sais pas ce que c'est que ça. Puis un grincement, si quelqu'un tourne une manivelle ou. Ah, mais c'est ça, c'est ce truc-là. Faut le buter, peut-être. Il y en a 16. 16 figurines à trouver, à défoncer comme ça. Spinel. Un trophée. Bon, bah, c'est certainement. Certainement la statue que je viens de défoncer. On a chopé un bleu velours, une herbe verte. Il y a les trous là. Pas d'autres trésors. Mais en fait, t'achètes une carte au trésor au marchand. T'as tous les trésors du jeu qui sont affichés, quoi. Si je comprends bien. Je crois que c'était pas le cas dans RE4. Hein. Il fallait plusieurs cartes selon le secteur, selon la map, quoi. Il me semble. Vous voyez, tout est beaucoup plus facile, j'ai l'impression. Bon, pour le prochain game de RE que je m'achète comme ça, ou sur lequel je me jette dessus comme ça, on jouera en hard directement, parce que, faut pas déconner, quoi. Ah oui, je regarde. Merci de me le suggérer. Bon, c'est sûrement le château du Sifflard. Des bouquets. Des portraits, des. Il n'y a pas de description sur aucune toile. Il n'y a rien, quoi. Épée de fer. J'ai chopé une épée. J'ai même pas vu qu'il y avait une épée, quoi. Elle était posée où, en fait? D'accord. Ah bah, faut sûrement la mettre là, non? Ou alors, je suis mongol, je fais mon autiste. Bah là-bas, il aura fallu chercher longtemps, hein. Alors, je propose qu'on la mette là, par exemple. Oh, putain. Bon, c'est pas tout. Il y a certainement autre chose à faire.
qu'est-ce qu'elle fait? Elle se balade, elle. Tranquille. Prend ses libertés, la piote. Encore des poudres. Ça nous en fait 8, 8, 8. Je peux me répéter peut-être du pompe ou quoi? Bah ouais. Ah non, 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 non. Il en faut encore. Il en faut encore 4. No problème. Alors, en fait, elle veut ouvrir le truc, c'est pour ça qu'elle m'attend. Elle est pressée d'ouvrir le machin. Et ça fait 51 minutes que je joue. On est bientôt à la fin, les petits abonnés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai... Ça a sonné une cloche. Ça, c'est quoi? Il faut que je mette des insignes d'animaux comme ça ou... Un aigle et un serpent, il n'y a pas de description, il n'y a rien du tout. Oh, l'autre, elle me balance la soluce, quoi. J'hallucine, elle vient de me balancer la soluce. En tirant sur les gongs, c'est ça qu'elle dit. Ah ouais, je peux plus faire d'interaction avec maintenant. C'est quoi ça? 4 reliefs. 4 reliefs, oui, bah c'est les machins là. Bon, il y aura une caisse à péter, un vase. Ouais, il y a plusieurs trucs à péter là-dedans. Alors ici... Bon, on va essayer de déglinguer ça et la foutre à côté. Non, 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 non. Il y a une épée dorée. Bon, alors admettons. Et une épée rouillée. D'accord. Bon, voilà, il y a un chevalier doré. On va mettre ça à la place. On va mettre l'épée dorée. Bon, l'épée rouillée, elle doit aller là, hein, je pense. De la pierre tombale, admettons. Et la dernière épée, elle va se fiche. Elle va se. Bah là, par exemple, non? Non? L'épée dorée, peut-être qu'elle irait peut-être plutôt là. Ça veut pas. Hein. Bon, est-ce que je vais perdre mon temps avec ça, il reste plus beaucoup de temps. Épée de fer, peut-être que si je la fous là, non? Hop. Bon, de toute façon, c'est un truc avec ça. Il faut essayer les 2-3 combinaisons. Bon, ça rimerait pas à grand-chose. C'était l'épée dorée, hein, qu'il avait, lui. Ouais, on n'a pas entendu une serrure là ou je sais pas quoi. J'ai cru qu'on avait entendu quelque chose. J'hallucine peut-être. Bon alors qu'est-ce qu'elle disait l'autre, tirer là-dessus? Putain mais c'est vrai en plus. Elle m'a balancé. Vous imaginez le truc, elle m'a balancé la soluce quoi. Ah ouais, mais enfin bon, je vais pas niquer toutes mes balles à faire ça quand même. Bon, alors ça éteint le truc. Ah putain, c'est pas vrai. Bah, je vais en niquer combien, moi, des balles? Ah putain, puis il y en a là aussi. Ok, oh la vache. Je peux pas l'avoir au couteau, celui-là. Non? Ouais, yes. Il faudra toujours une balle d'économiser. Alors, c'était quoi? C'était ici peut-être? Là. Oh putain! Ça race à chien! On a une épée encore plus dorée là, je crois. Bon, bah voilà. C'est ça la suite. La suite de l'énigme. Certainement pas à combattre, c'est seulement une réplique.
Mais il s'agirait pas de te choquer non plus, chérie! Mais qu'est-ce qu'il a, mon pote, là, à se retourner, là? Un problème? Non, j'ai l'impression qu'il y avait une saccade ou je sais pas quoi. Bon, ok, alors. Il reste 4 minutes environ. Donc. Bon, lui, il se bat. Lui, il est en train de sacrer un chevalier ou je ne sais quoi. Ah, mais attends, mais on va. Merde, mais j'ai pas voulu la prendre, fils de pute. On va laisser l'épée dorée ici. Et je vais plutôt utiliser l'épée sanglante. Merde. Oh, il la prend automatiquement. Toc. Et donc, bah là. Voilà, c'était ça. C'était ça. Bah oui, j'avais raison. C'est pour ça que tu ferais mieux de la fermer. Tu commences à parler beaucoup, je trouve, toi, dans cette séquence. Tu commences à me gonfler, tu le sais, ça? Eh, il fait semblant de pas m'entendre, oui. C'est très bien que tu m'as entendu. Alors. Cassons tout. Poudre noire. Pesetas. Ah, c'est un serpouille! Serpouille! Ah, j'ai pas eu le réflexe. Eh, j'ai pas eu le réflexe. Je regardais en même temps mon portable. Voir le temps qui reste. 3 minutes. Et encore, il y a pas mal de trucs à péter. Très intéressant tout ça. Poudre noire. Allez, on va se faire aussi ça. Tant qu'à faire vite fait, vite fait. Ah, bah non, je peux pas. Il en manque une. Il en manque une. Il en manque une. Là-dedans. Bracelet. Ok. On sait tout ce qu'il y a. Je crois que. Eh ben non. C'est pas tout. Pesetas. Là-dedans, il n'y a rien. Ouais, là, il y a. Ça va interagir avec rien du tout, là. C'est du putain de décor. Bon, j'ai pas bien regardé ici quand même. Bref, ça autosave ou. Tiens, je peux encore tirer dessus. Ouais, c'est très rigolo. Ah ouais. Je sais pas si vous connaissez cet instrument de torture. Très intéressant. Ça doit pas faire du bien, je vous le dis. Bon voilà, du coup on va ouvrir cette porte. Est-ce qu'on va avoir cette séquence, ce passage là où il y a on est attaqué par 4 chevaliers au moins 4-5 chevaliers avec des plagas qui leur sortent de la gueule et tout. Enfermés. Est-ce qu'on aura le plafond qui s'abaisse avec tous les pics, tout ça on l'a toujours pas vu. Et on a déjà passé le premier Garador. Hein. J'attends aussi la cinématique de Heida, je suis prêt à parier qu'elle va être moins bien, c'est. S'ils ont pas repris la même, elle sera moins bien. Puisque l'autre est parfaite, hein. Sa mise en scène. La mise en scène est parfaite, quoi. Alors on verra ça. Bon, les petits abonnés, il reste plus que quelques secondes. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure intempestive dans cette vidéo. On verra ça. Et je vais mettre ça en ligne. Et puis, bah, je vous fais des bisous partout. Évidemment, évidemment. Allez, à bientôt les petits abonnés.